Donc vers minuit, on a été appelé pour l'embrasement généralisé d'une maison traditionnelle alsacienne ainsi que d'une grange attenante qui était totalement embrasée à l'arrivée des secours. On s'est circonscrit l'incendie au moyen de 5 lances. Nous avons fait intervenir également les partenaires comme GRDF pour sécuriser l'installation gaz, ERDF pour sécuriser l'alimentation électrique en toiture. Alors, la maison plus la grange représente une surface totale de 300 m². La difficulté, on est sur de la construction traditionnelle, on est sur une maison en cours de rénovation. Donc, clairement, les risques pour les sapeurs-pompiers, c'était le risque d'effondrement de structure, des poutres qui tombaient, des moyens incandescents qui risqueraient de propager le sinistre sur les maisons qui étaient à proximité immédiate. Bah, le bilan, c'est que là, à l'heure actuelle, on est en train de traiter les foyers résiduels. Donc tous les foyers restants sont en train de traiter manuellement au moyen de gaffes à dégelés, de lance incendie. La grange est totalement détruite et la maison, quant à elle, quelques pignons menacent effondrement également. Les occupants n'étaient pas là à l'origine du sinistre, donc pas de blessés côté occupant, pas de blessés pour les intervenants.